Oh, him? Yeah. I know him. It's going to take a while. It happened years ago. Did you know there are three kind of aces? Those who seek strength, those who live for pride, and those who can read the tide of battle. Those are the three. And him? He was a fighter pilot they called Solo Wing Pixie. This man was his buddy. He is the man I seek. It was a cold and snowy day. Who is the victim, and who is the aggressor? And what is peace? Token fighters approaching. Shut them down and secure your superiority. They've got a grid of the doors. Time to hunt some wild dogs. These are round table fighters. Stay sharp. Round table's nothing special. I'll take care of things. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer aujourd'hui, vous l'aurez compris, à Ace Combat Zero, The Balkan War, sur PlayStation 2, et pour moi le dernier vrai Ace Combat sorti jusqu'au peut-être Ace Combat 7, hein, auquel je n'ai pas joué. Tout simplement parce que bah, l'histoire est assez classique, hein. De toute façon dans tous les Ace Combat elle est ultra classique, hein. Tout est prétexte à se fighter. Et donc du coup, ben, on va retrouver un jeu dans la mode un peu d'Ace Combat 2. J'ai l'impression, quand j'ai rejoué à ce jeu il y a maintenant pas mal d'années, d'avoir rejoué à Ace Combat 2. Et ça m'a fait ultra plaisir. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans le mode campagne, en fait, on peut débloquer des choses, il y a toujours les rangs qui sont présents. On peut débloquer des couleurs, il y a pas mal de choses à faire, enfin, c'est beaucoup plus complet que l'était par exemple Ace Combat 4 ou Ace Combat 5 voire Ace Combat 3. Donc j'ai vu un peu un retour aux sources, mais c'est aussi ce qui a été critiqué dans ce jeu, parce que bah, le jeu restait un petit peu dans sa normalité, il n'y avait pas grand chose exceptionnel. Et surtout, on est arrivé à la fin de la PlayStation 2, hein, donc au niveau graphique, au niveau technique, ça restait plutôt la même chose. Bon, c'est parti. Alors, le jeu est en anglais, mais on peut l'avoir en français, bien entendu, on peut changer les voix. Si vous avez la version américaine, vous pouvez même les voir en japonais, si vous voulez. C'est ce que j'adore faire dans les jeux en général, parce que c'est beaucoup plus épique. Mais dans les jeux d'avion, l'anglais passe bien. Donc on va laisser comme ça. Il y a un mode VS aussi, qui vous permet de faire des combats 1 contre 1... Voilà, sur différents théâtres d'opération. On va voir le mode option quand même pour voir ce qu'il y a de différent. Donc on a les réglages des contrôles. Donc le type de contrôle, si on veut normal ou novice. Alors novice, c'est le type de contrôle que l'on avait dans Ace Combat 2. C'est-à-dire quand on tourne à droite ou à gauche. L'avion se tourne un tout petit peu et tourne de manière linéaire. Il n'y a pas d'effet de... comment ça s'appelle, de tonneau que l'on a en mode normal, qui est d'ailleurs le mode réaliste, hein, dans l'absolu. Le control shame, alors ça je sais plus ce que c'est, ça c'est pour les left analog stick, right analog vibration. Elles sont en haut donc ça c'est bon. Le menu est ultra austère mais c'est un peu ce qu'on avait dans le 2.
Comme ça, je vous dis, on revient à un système vraiment, vraiment austère. Mais le 5 aussi, hein, je crois que c'est pareil. On va faire donc le mode campagne. On va le faire en normal, tant qu'à faire. Le lifestyle, c'est pour le niveau de difficulté, normalement. Ah non, non, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Le lifestyle, en fait, c'est les données de jeu. Par exemple, on peut voir les données des résultats pour les missions, les données des avions. Voilà, ça me permet d'ailleurs de vous montrer quelques avions qu'on a au départ. Alors, le jeu est très très austère, je vais reprocher pas mal de trucs, mais pourtant, ça reste un de mes combats favoris. Game Data, voilà, donc on va faire New Game. On va prendre le mode normal, hein, pour commencer bien. Le mode normal pour la maniabilité. C'est fini les codes de ce combat 2. Et on va mettre les sous-titres en anglais parce que bah, vous me connaissez, l'anglais et moi ça fait 2. Oh, him? Yeah. I know him. It's going to take a while. Alors là, il va nous It réexpliquer. happened years ago. Did you know C'est ce qu'on a vu dans l'introduction. C'est pour ça que j'ai préféré vous laisser l'introduction entière plutôt que de vous faire écouter les monologues du début de la première mission et des missions suivantes. Listen up. We have a situation on our hands. A major squadron of Belkin bombers has crossed our border and it's making its way here to Valais Air Base. Donc une escadron de... Ah bah je vais le tenir, pardon. Bon, ils vont essayer d'attaquer notre base pour asseoir leur hégémonie dans leur pays, blablabla. Si notre base est détruite, plus personne pourra réussir à les contrer. La mission est de détruire une escouade de bombardiers et défendre notre espace aérien, notre base. Donc c'est très classique, en général, toujours la première mission commence toujours de la même manière, vous avez remarqué dans les combats. C'est toujours des bombardiers qui nous arrivent soit de face, soit que l'on chasse. Sachant qu'on est en mode normal, ils arrivent en face en fait. C'est du coup plus difficile de les abattre, hein, parce que vous savez très bien qu'il faut plutôt se mettre derrière pour que le missile puisse être détecté, etc. Donc on va voir tout ça. Donc on a 2 B-52, on en a 4 BM-335, on a des F-5E. Et puis voilà. À savoir que le jeu se passe donc pendant la guerre des Balkans, donc les années 95 à peu près, 95 pour les autres. Et c'est toujours, parce que c'est ce combat quand même, mélangé à des technologies du futur, hein, qui n'existent plus, n'existent toujours pas maintenant ou qui viennent juste d'apparaître. Et on sera accompagné d'ailleurs de Cypher, puisque nous sommes Soloing Pixie. C'est d'ailleurs ce que comptent les personnages que l'on voit dans les cinématiques, c'est notre histoire d'une certaine manière. Et on va faire Sartre. On a le hangar, je vous l'ai montré. Sachant que dans le hangar, comme d'habitude, on peut acheter des armes. Mais aucun avion n'a d'armes spéciales à acheter. On a les datas du jeu, je vous l'ai montré. Le briefing, on peut le revoir si on veut. Et on pourra voir nos stats plus tard. On va faire Start Mission. Alors, dès le début, on a donc un F5. Tiger 2, donc c'est un peu comme dans les autres, hein, d'une certaine manière. On a le J-35 Draken Fighter. Ah oui, le problème c'est qu'il est pas très mobile. Encore pire pour le F1. Par contre, en air to air, il est mauvais. Il est bon en air to ground, mais ça sert à rien parce qu'on va attaquer des bombardiers. Donc je pense que le plus homogène, ça va être le F5 Fighter 2 qu'on va prendre. On peut changer la couleur. Alors pour l'instant, on n'a pas de couleur disponible, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, on peut en débloquer. Et on a des armes spécifiques. Par exemple, là, on a les QAM. Donc, c'est des air-to-air, donc c'est pour attaquer les avions. Donc, c'est parfait. Ça, c'est notre. Alors, je ne vous ai pas montré, mais ça, une fois qu'on a passé, on passe à notre allié. Donc, notre allié, on peut choisir ses bombes, ce qu'il va avoir. Donc, si on est logique, ben, on va le laisser prendre des armes de air-to-air. Donc, on va lui faire prendre par exemple celui-là. Et là, on va pouvoir se déployer. Et si je faisais carré. Voilà, on peut changer le display et normalement on peut zoomer, voilà, un peu sur l'arme. Ça sert à rien, mais au moins on peut le faire. Je ne repasserai pas vraiment sur les musiques, comme vous le savez, les musiques des combats sont toujours aussi énormes. Ça ne changera jamais. Alors j'ai pas vu, effectivement j'ai jamais, mais je n'ai jamais écouté celle du 6 et du 7, mais pour avoir écouté le soundtrack, c'est toujours excellent. All you boys managed to get.
Allez, c'est parti. Donc, comme dans tous les combats, les menus sont plutôt les mêmes. Hein. On a la vue embarquée avec les missiles à droite, les vitesses sur la gauche, l'altitude sur la droite aussi, le temps des missions restant, le score. Et en bas, vous pouvez voir, on peut donner des ordres. Donc, je leur demandais l'ordre d'attaquer directement. On change la vue, alors c'est le clic sur le joystick. On a la vue un peu plus cockpit et la vue extérieure. Bon, vous savez que moi je préfère la vue extérieure, mais si vous voulez vous y croire un peu plus, rien ne vous empêche de mettre la vue intérieure. Alors ce que j'ai à reprocher dans ce jeu par rapport à d'autres S-Combat, mais c'est vraiment léger, c'est que la vue extérieure en fait, elle est pas assez dépouillée. Voilà, c'est un petit détail. Et c'est un jeu qui est quand même plutôt joli pour l'époque. Et on s'agache un peu le tout. Et là, il m'a déjà évité le missile. Alors, cette mission fait penser un peu à la mission... à la mission 2, je crois, de S-Combat 2, d'ailleurs. De S-Combat 2. Et la mission 2 de S-Combat... S-Combat 4. Ou la mission 3, je sais pas. Enfin, en gros, c'est dans les montagnes. Alors, écoutez-moi ce bruit. Voilà, on y est. Niveau ambiance sonore, ils ont vraiment amélioré leur truc par rapport au 4. Le 5 était pas mal, d'ailleurs on jouera au 5. Le 5, l'avantage, c'est qu'il y avait plus la notion des squads, avec des personnages autour qui gravitaient autour de nous, et qui était assez intéressante d'ailleurs. Par contre, S-Combat 5, c'est vraiment un jeu auquel j'ai vraiment galéré, c'est bien celui-là. S-Combat 5 est vraiment difficile dans certaines missions. Celui-là est pas facile non plus, mais ça reste exploitable. On va laisser passer. Bon, c'est facile hein, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Faut faire attention à ne pas se prendre des missiles par derrière. Je crois qu'on en a un qui arrive devant nous. Oh, attention! Oh, c'est bon. On l'a pris de face celui-là. Oui, on peut neutraliser les avions aussi. On a la carte toujours en bas à gauche avec les unités. Alors si vous switchez entre les S-Combat, des fois ce qui est un petit peu troublant aussi, c'est le fait que les couleurs changent. Par exemple dans S-Combat 2, les couleurs des ennemis qui sont pas, on va dire... J'ai pris un missile dans la tronche. J'étais trop optimiste à rester sans rien faire. Oui, donc je disais, les ennemis étaient en blanc, les TGT, donc les targets, vraiment les cibles à abattre étaient en rouge. Et là, c'est un petit peu différent, c'est en rouge, mais c'est en vert. Et alors qu'en vert, bon, ça a pu être autre chose. C'est juste une histoire de goût. Hein, mais là, par exemple, on l'a neutralisé, mais on peut quand même lui mettre un coup si on veut. Alors comme je vous l'ai dit, il y a le système des rangs. C'est-à-dire que on peut finir la mission avec un rang plus ou moins différent. Le but c'est d'avoir le rang S. J'ai toujours ma canonnière. Donc sur la carte, il ne reste plus grand chose à abattre. On va finir le F5. Ah, sauf que je l'ai complètement loupé. On va essayer d'aller chercher... Alors on est vraiment un salaud, hein. On va l'achever le mec alors qu'il va vrai nous faire, mais tant pis. A savoir qu'à la fin de la mission, quand vous allez être noté, donc je vous ai parlé du rang S, mais il y a aussi un autre paramètre, c'est que vous allez être classé par rapport à trois groupes, c'est-à-dire le groupe soldat, le groupe mercenaire et le groupe combattant. Je crois que c'est ça en français. Et ça va dépendre en fait de votre style de pilotage pendant les missions. Ah, on a passé le mur du son là. On est à 1038 nœuds. Attention à pas trop confondre, c'est pas des kilomètres heure. Et là on va se faire donc les BM335. Il faut faire vite quand même parce qu'il faut pas qu'ils arrivent jusqu'au bout de la map. Donc quand même la première mission elle peut être un peu stressante quand on n'a pas l'habitude. Parce qu'il faut faire assez vite. Bon là on va pouvoir les avoir en...
de derrière, c'est beaucoup plus facile. Et oui, on a le score qui s'incrémente et on voit le score que ça va nous donner en rouge. Allez, quand on voit le Loki, regardez en haut à gauche. Voilà, BM335, 750 points. Et c'est terminé. Mission accomplished. Ce qui est marrant, c'est que mon joystick a tendance à... Ouais, regardez, je touche rien, mais il a tendance à revenir d'un côté. Ouf, on a fait se rentrer dedans. Bon, un peu bizarre, mais bon. It all started on that snowy day. My first impression was he had potential. Ça, j'ai envie de dire, il vaut mieux, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas de potentiel, autant arrêter le jeu tout de suite. Alors, on peut changer la caméra. Enfin, là, on change surtout le. Comment dire. Tracking, troisième personne, display, on peut l'enlever. Voilà, bon, c'est le mode replay, hein. Ouais, c'est quand même plutôt joli, hein. Regardez en bas, je trouve que bon. Vu de loin, c'est joli, hein. Ça a toujours été le cas sur la Play 2. Vu de près, c'est beaucoup plus brouillon. Et donc là, on a le fameux. Belka's attack on Valet Airbase has failed. Your efforts will not go unrewarded. Your actions may well decide who wins the Belkan War. I, for one, will be counting on it. Voilà, donc on a réussi, il est content, on a réussi à les contrer, blablabla. Donc, on a évidemment la fin de mission avec ce petit graphique où on voit la trajectoire de l'avion et les cibles abattues. On a donc le rang qui va s'afficher à la fin de la mission, on peut faire R1 pour aller un peu plus vite. Voilà. Et on a notre style de combat, vous allez voir, donc on va faire OK. Pour aller directement jusqu'à la fin. Donc là on a le rang S, on a le rang maximum, donc ce qui est bien, en fait on a tapé tellement d'avions qu'on a fait beaucoup de points. On a le temps mis, total de points, il y a aussi le réparation hein, qui nous coûte un peu cher. Et vous avez notre style de combat, il tend un petit peu vers le knight et non vers le mercenaire, donc pour l'instant... voilà. J'ai pas trouvé la différence, qu'est-ce que ça allait changer dans le jeu, mais... Et on a réussi à avoir un Special Aircraft, le X-02. On va passer à la mission suivante. The Belkan War is shrouded in mystery. But now, a decade after the peace accords, a portion of the records was finally released. I quickly got a hold of it. Wanting more details, I acquired information from unknown sources. There was a reason for my obsession. The roots of the war lie in the Belkan Federal Law Review that took place in 1988. Belka, suffering from economic strife, permitted its eastern territory to secede. And the Republic of Ustio was born. But Belka's economic troubles did not subside. Meanwhile, taking advantage of the situation, the world superpower Osea continued to flourish. Amidst the economic panic, an extreme right-wing party took power within Belka, aiming to restore strength and stability to the nation. And on March 25th, 1995, with the discovery of natural resources in Ustio, Belka began to invade its neighbors. It was the beginning of the Belkan War. Unprepared, each country fell quickly before the might of the legendary Belkan Air Force. In just a few days, they occupied all territories except for the mountain range. In response, the occupied Ustio government military placed all their hopes on a joint operation between Osea and the foreign mercenary forces. This, of course, can be found in any history book. But I noticed a strange similarity in the materials I gathered. There were several accounts about a mercenary, all followed by the code word, demon. But most of the information was incomplete. Still, I was intrigued. I decided to pursue the history of the Belkan War through this mercenary.
I was certain I would find something there. Would it be the hidden truth behind the war, or just another battlefield legend? I wasn't able to meet the mercenary himself. Actually, it's questionable if he ever did exist. But thanks to some old friends in the military, I was able to track down several individuals who knew him. Soloing is one such man. Bon ben voilà, au moins vous avez droit à l'histoire, qui évidemment n'existe pas, hein, ça reste une fiction comme toujours. We must regain control over route 171, which runs through Arlen to secure a transit route for our ground troops. There are bridges along this route, three over the RA River, all heavily guarded by the Falcon Armored Corps. Securing this route is critical to Ustio's attack on the Falcon forces. Destroy the Belkan ground units blocking passage along this route, and secure the supply line between our forces and the Ocean Army. Donc, on va devoir sécuriser une route, je pense que vous l'avez compris, avec pas mal de tanks en fait qui barrent la route, vous les voyez ici. Voilà, donc tout ça à détruire. On va faire donc start, c'est parti. On va aller voir le hangar un petit peu. On va voir si on peut acheter des avions. Donc on a un MiG-21 Bis Fishbed Fighter. On a quoi? On a le X-02 Wyvern Multirole. Alors lui, oh mon dieu, comme il coûte cher, 215 000. Sachant que nous, on a à peine 10 300, donc on est vraiment loin. Sachant que cet avion, on l'a gagné parce qu'on a eu un rang assez élevé. On n'aurait pas forcément gagné si on avait fait la mission normalement. En ayant juste tué les bombardiers. D'où l'importance de faire la mission vraiment comme il faut. Est-ce qu'on peut vendre des avions? Non, on peut pas. Bon, on va cesser ça comme ça, on va faire Start Mission. Alors là, on va plutôt faire du Air to Ground. Donc je pense qu'on va aller taper avec un F1. Qui, oui, Air to Ground a beaucoup plus de missiles en plus, il y a beaucoup de RCL. RCL, bon, je connais pas les armes par cœur, loin de là, hein, vraiment. Ça reste de l'armement. Mais on aura un peu plus de... Voilà. Spread Bomb. Ça peut être pas mal. On va faire OK. Mon coéquipier, il va avoir du... Bah, je vais lui donner de quoi attaquer les cibles au sol. Et nous sommes partis. Allez, on va faire le décollage, même si on n'est pas obligé. Ouais, hop là, ça tourne d'un coup. Ah, la manette a décidément faut vraiment que je la change, hein. Mon dieu. Ouais, skip, c'est pas grave, tant pis. Allez, c'est parti. Donc lui, je vais dire attaquer, directement. Donc c'est bon, je commence à comprendre mon problème en fait, hein, que j'ai eu dans votre jeu. C'est vraiment de la manette, quoi. Ouais, ça tourne sans que je le demande. Alors on va changer de missile, vous voyez là, on est avec un... On va mettre des RCL, donc des trucs au sol. On va détruire les Hagen pour le moment. Après on va switcher, on va prendre... Ah bah voilà, il a déjà détruite. Bravo les alliés. Faites du bon boulot, ça fait plaisir. Enfin des IA qui servent pas à rien. Donc c'est une mission, si vous suivez la route, ça peut aller assez vite. Bon, il arrivera un moment évidemment où vous aurez pas assez de... Alors, le problème c'est qu'il faut... Voilà, il faut déterminer...
ce qu'il faut détruire et ce qu'il faut laisser en vie. Par exemple, les moulins, ça va pas falloir les détruire. Il faudra les garder intacts. On a un SAM, voilà. Alors par contre je vais les mettre en cover maintenant. On va essayer de se faire quelques avions. Maintenant qu'on leur a laissé un peu d'avance. On va essayer de se faire voilà. Un peu de points. Ah, il est pas loin de moi hein, j'ai l'impression. Juste là. Voilà, F4E. Il va trop vite. On va essayer d'attendre qu'il se retourne. On va l'achever. Parce que nous, on est un gros salaud. Voilà. On a un mec qui nous arrive directement dessus. On l'a neutralisé, mais on va l'achever. Ah, il a réussi quand même à esquiver le missile. Voilà. On va s'en faire un autre. Voilà, le F ici. Le F4E. C'est vraiment un jeu où il faut être... ça reste un jeu d'arcade totalement, bien entendu. Hein, parce que vous savez que les avions, on n'embarque pas autant de... n'embarque pas autant de missiles, loin de là. Au mieux peut-être 3-4. Je connais pas exactement mais bon ça reste en dessous de la dizaine quoi pour ce genre de missile. Oh la vache. Et sûrement pas une soixantaine de missiles. Voilà, c'est bon. Allez, on va essayer d'aider les gens un peu en dessous. Voyez là par exemple il y a quelque chose à les tuer, c'est pas les tentes, c'est pas la maison, c'est un véhicule je crois, non? Oui, c'est difficile. Attends, tu vas pas la toucher. Ah, on peut détruire les tentes par contre. Alors attendez, parce que j'ai dit une bêtise, peut-être qu'on peut tout détruire. On va aller taper ce groupement ici. Je vais d'abord aller taper le missile. Voilà. Ah bah je suis complètement loupé. Je me suis complètement loupé. On va faire attention. On va se faire tout détruire. Alors peut-être que j'ai dit une bêtise, hein. Peut-être qu'il faut vraiment tout détruire. Mais ça me paraît bizarre quand même. Ouh, attention, 39% de dommages. On a un ennemi là, on va essayer de se le faire aussi au passage. Il avait rien demandé, mais au moins il est mort. J'essaie de faire le maximum de dégâts quand même, avant de détruire tous les tanks. Alors on va retenter les petits missiles. Mince, on a tout fini. Non, c'est bon, il en reste un. On va essayer de se faire un petit avion.
marquer le plus de points possible. Voilà, dès qu'il va changer de position, on attaque. Boum, ça c'est fait, il n'en reste plus qu'un. Oh bah bravo. Oh, mon coéquipier a fait vraiment le café comme il faut. C'est rare d'avoir une IA, enfin des alliés aussi propres, aussi bons. Bon, on va faire encore un petit tour et après on va mettre fin à la mission. Okay. On va en faire demi-tour. Oh non, il l'a battu à ma place! Ah bah voilà, j'aurais jamais dû faire ça. Je lui dis d'aller me couvrir et finalement il a tout détruit. Alors on n'aura pas le rang S. Hein, parce qu'à mon avis, ils ont tout détruit à notre place. Bon, mais écoutez, on a reçu les émissions. C'est juste un petit peu dommage qu'ils aient tout détruit à notre place parce que je pense pas qu'on ait le rang S. Hein. Ah, on passe Knight bientôt, regardez, il y en a en S quand même, donc c'est bon. Alors maintenant, Ishio pourra enfin lancer une contre-attaque. Merci à vous. On n'a rien gagné. Donc on va passer à la mission 3. Je vous propose de finir avec cette mission d'ailleurs. Operations has issued an emergency order for a reconnaissance mission conducted near the border. You will be monitoring the airspace B7R, currently under Belgian control. Strong opposition is expected by enemy squadrons, and the presence of a magnetic field has been detected, which may interfere with communications. In short, this will not be a walk in the park. The B7R airspace is located above an area rich in subterranean resources, where many conflicts have been fought in the past. You're authorized to engage enemy planes while in contact. The time has come for your skills to be tested. Jimmy, quand il dit ça sera pas comme marcher dans un parc. Oui, sous-entendu, ça va fighter un peu. Alors, aussi un truc bizarre, si vous avez écouté l'histoire, c'est quand même étonnant quand même qu'un pays qui soit étranglé économiquement parlant pendant des années, ça m'aide subitement à avoir des technologies militaires énormes qui coûtent des milliards, hein, vraiment, et arrive à rattaquer tous ses collègues. Enfin bon, c'est, même si c'est vrai que c'est un peu une blitzkrieg, hein, attaque éclair, ça n'empêche pas que ça reste bizarre. On va prendre un fighter E, on va prendre ça, très bien. Et mon coéquipier, il va avoir le long range missile, c'est parti. Alors il y a souvent des petites phrases, voilà. Après tout, quel est l'homme dans la nature? Comment? Quel est l'homme en? Quelle est la nature de l'homme? C'est difficile à traduire ça. Belgian Priority 1 Strategic Airspace B7R, aka the Round Table. It was the grand stage where we pilots performed. We were all on an equal footing, fighting under the same conditions. No affiliations or ranks to hinder us. Aces from every nation crisscrossed through those skies in pursuit of air superiority. The only rule of engagement was to survive. Allez, c'est parti. Comm team, this is Eagle Eye. Penetrate B7R and get a feel for the surroundings. Comm team, roger. This kind of town is all about. Alors, de souvenir, cette mission, c'est un dogfight. Voilà. Enemies on radar. Exercise caution. On va monter 22 000 pieds, 25 000 pieds. Pour l'instant, on dit d'aller tout droit. Et c'est parti!
C'est parti pour du combat aérien. Alors ce qui m'a un petit peu dégoûté avec ce jeu, mais ça reste purement purement personnel, c'était d'avoir quasiment fini le jeu, avoir réussi la dernière mission, donc le jeu était terminé hein, complètement. Et au moment d'arriver à la cinématique de fin, enfin la fin du jeu et revenir au menu principal, et bien la console avait décidé de crasher. Du coup j'étais un petit peu dégoûté, vous pouvez comprendre mon énervement. Donc j'ai fini le jeu. Mais regardez, il veut lui mettre deux balles, deux missiles. C'est dommage, j'ai un ami qu'un, c'est bien parti. Allez, on va prendre un F4 de face. Parce que ça me fait plaisir. Il y a un Mikael sur nous. Parfait. Ouf. Lui on l'a pris par surprise parce qu'il s'attendait pas à être loqué aussi rapidement. Ce qui marche bien c'est ça aussi d'ailleurs, c'est quand vous loquez trop longtemps un avion, lui il le sait. Il le sait qu'il est loqué, c'est comme nous. Et du coup il a tendance. Oh, il s'est pris 3 missiles dans la tronche. Il a tendance à du coup bah, dévier pour pas prendre de missiles. Par contre si vous loquez le. Voilà. Ouh, ce qui s'est passé, il s'est fait croiser. Si vous le loquez au dernier moment, mais il n'aura pas le temps de réagir en fait. Et ça, c'est une technique pas mal à adopter. Bon, j'aurais pu remonter. Ah, j'ai un gros problème avec la manette, hein, sans déconner. J'arrive pas à monter. J'appuie sur le haut, ça fait des petits à-coups. Je pense que la manette est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Tant pis, un jour à la croix si besoin, mais. Oh là, regardez-moi ça. Ah non, c'est bien ce que je pensais, j'ai un problème avec la manette. Bon, oh, c'est pas grave, de toute façon, on a comme je vous ai montré une bonne partie du jeu déjà. Par contre, c'est un peu horrible hein, pour. Je vais essayer de tourner quand même. Ouais, ça monte par à coup. 16 minutes, on sait pas la fin de la mission par contre quand elle aura lieu. Ah, pour tourner c'est quasiment impossible du coup. Allez, j'étais presque là. Boum, lui c'est bon. Alors attendez, est-ce qu'on peut pas. Map dessinée, zoom un peu, c'est ok. Normal. Ah, j'ai un petit souci là. J'ai un petit souci, le jeu ne me empêche de tourner. Ouais, je peux pas. Là, j'y arrive. Ouais, c'est bon. Ça devrait passer. Oh, il m'a bien esquivé. Yes. Un détruit. On va aller vers là, parce qu'apparemment, regardez la flèche sur la map, il faut aller un peu plus loin. On n'a que 14 minutes encore pour faire la mission. Chercher. Ah, petite cinématique.
Il me reste pas beaucoup de missiles par contre, avec le gros problème. Je sais pas si on peut... comment dire... Ah, ils sont en dessous. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les... Ouh, on s'est fait toucher, non? Ça va être compliqué, ça va être très compliqué là. Ça y est, là c'est des as. Bon, regardez, on tourne en rond, mais il n'y en a aucun que j'arrive à verrouiller. On va essayer de l'avoir. Oh la vache, le missile alerte. Encore fait toucher. Bon, j'en ai buté un, mais par contre, le moindre missile, c'est pour notre gueule. On va pas faire un combat tournoyant. On va vraiment. On en a tué un. Là par contre il y a le coup de pression, hein. Moi je vous le dis. Vous voyez le missile sur la map? Ouh la vache, on est passé à côté. Allez, si mon coéquipier pouvait m'aider, ça serait pas mal. Ah, ça l'a pas touché. Il me reste plus beaucoup de missiles. Il me reste que 6 missiles. Il me reste plus que 6 missiles pour en avoir un seul. Essayer de le couvrir par là. Il va nous arriver face de face normalement. Ouf, on était juste à côté. Oh, il n'en restait plus qu'un. Oh là là, il me reste 2 missiles. Ça va être compliqué en 2 missiles. On va les attaquer. Allez, ben nous, on va accélérer d'un coup. On reste 10 minutes. Voilà, ça, là c'est la pression, hein. Vraiment je vous le dis. Le moindre missile, on est mort. Il me reste que 10 missiles pour l'achever. Allez, juste derrière. Mon unité est tellement faible que pour le tenir, c'est chaud. Ah, faudrait que j'arrive à le... On va se barrer. On va se barrer. On va essayer de prendre de la vitesse et de l'avoir de face. C'est parti. Yes! Voilà, donc le combat tournoyant, c'était pas la bonne idée. Et ben voilà. Eh ben voilà, on a réussi. Bon, c'était vraiment pas facile, on a failli crever comme une merde.
Thanks to your success, we managed to confuse Belka. Oh ouais, c'est parfait en plus, donc ça c'est cool. On a fait assez de points. On est toujours Knight, mais on est redescendu un petit peu soldat. On va enlever le display d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais on peut voir ce qu'on a fait entre nous. Hein. C'est n'importe quoi, on a fait que se tourner autour. En plus j'avais le Mi qui me suivait, mais tout le temps. Voilà, donc on a gagné un FA-18C, qu'on pourra utiliser plus tard. Et on a aussi une nouvelle couleur. Alors, on peut faire un next, on va pas le faire, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, donc vous avez compris, c'était donc Escombat du Balkan War, Escombat 0. Ce qu'on appelle Escombat 0, mais pour moi c'est Escombat 2.1, on va dire, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de similitudes. C'est un jeu qui est vraiment bien, que je recommande. Bon, il a pas mal vieilli, hein, les graphismes sont quand même un peu moins bons par rapport à ce qu'on a actuellement. Mais le reste est cool, hein, les missions sont bien, c'est assez vif. J'ai vraiment retrouvé l'esprit des premiers Escombat. Qui était perdu, je trouve, avec le 5 et surtout le 6, après derrière, avec des missions qui étaient ultra longues, et même un peu le 3. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!